objective is to steal an entire truck from a PF convoy. We don't have a fix on the truck we want, but the intel team has spotted the unit that's been tasked with escorting it. They're stationed at the guard post to the north of Nova Braga Airport on the Savannah. The rendezvous with our target will be any time now. Start by heading to that guard post. Then follow the escort unit. It should lead you right to the target truck. Boss, extract them from the mission area. You can check the target details on your iDroid. Eh oui, bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Secret One et nous sommes ici pour la... donc il nous a parlé de l'aéroport, notre ami Kaz, mais apparemment là c'est des renseignements, c'est quoi, c'est... J'en sais rien. On va aller voir ça pour les renseignements. Il nous a parlé de l'aéroport, mais on va aller voir les renseignements, donc il faut extraire cette caravane qui est une sorte de paiement pour Cypher, donc depuis la disparition des Walker Gear, des D-Walker, pardon. Du coup, bah, ça serait bien d'extraire pour savoir comment est-il payé, des patati tata. Il y a du monde là-dedans ou pas? On va y aller. Il y a du monde ou pas? Il y a du monde. Faut que je me dépêche parce que le camion peut partir d'un moment à l'autre. Comme l'a dit notre ami. J'ai presque réussi tout d'un coup. J'ai pas touché lui. Voilà. Tout à droite, il va tomber quand? Alors, donc ici il y a apparemment des renseignements, donc ce serait bien d'avoir les renseignements, c'est pour ça que j'attends. Voilà, l'autre il tombe. Il y en a encore? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, à gauche, vu. Est-ce que les renseignements sont dans cette tente-là? Putain. Oh bah vas-y, va te faire foutre. Forcément, c'est pas là-dedans. Bon, ah, t'as vu un truc? Putain. Oh. Salut, je suis mauvais. Voilà. Eh ben, on va demander notre chemin. Ah oui, j'ai pas de... Si, j'ai l'interprète. Où est le dossier? Ok, il est en face. Il y a plus que deux soldats. Je sais pas où ils sont. Avancez prudemment. Ah, c'est là. Merci pour l'info. Je fais le tour de tout le monde. Et... Je sais qu'il y a encore des gars, mais... Ok, ok, on va Fulton les derniers, lui. Donc oui, j'ai pris le cheval parce qu'il allait forcément avoir besoin. D'accord, donc là c'est le parcours, donc on va aller là. On va attendre une embuscade en face, on va pas se faire chier. Une embuscade en face. On va attendre une embuscade au camion, hein. On va pas... donc c'est parti. Et en plus c'est bien, il me faut un camion pour les déploiements de combat, donc parce que j'en ai pas encore fultonné, mais maintenant je peux les fultonner, je sais plus si je vous l'ai dit. Je peux fultonner les véhicules et les conteneurs, si dans la dernière vidéo normalement je l'ai dit. Donc c'est cool. Arrive at Mother Base. Ouais, on va aller là, par là il y a des... c'est bien quand même. Par ici c'est bien. J'espère juste qu'il n'y a pas de garde, l'aéroport est là-bas. Donc apparemment c'est à l'aéroport qu'il se trouve pour l'instant. Oh, c'est parfait ici.
Non, c'est pas ici. Merde, je croyais que c'était une route. Le gars. Non, non, c'est beaucoup plus loin. Donc, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas... Donc évidemment, ça sera escorté, comme qu'on voit. Ça va pas être évident, mais... D'accord, là-bas, il y a une jeep avec des gardes. Là, il y a des machins à la con que je vais fultonner parce qu'ils vont me faire chier, je le sens. Eh, venez, venez. Esquive. À toi. Il faut pas jouer avec moi. Non. J'ai réveillé l'autre en fait, c'est ça qui est intéressant. Vas-y, saute, saute. Ok. Faut fulton parce que vous risquez de me faire chier quelque part. Donc je mets le cheval. Comment je pourrais jouer? Comment je pourrais faire tout ça? Je mets ça là, et si au cas où ils arrivent à passer, je mets des mines. Parce que les mines antipersonnelles comme ça marchent sur les véhicules en général. Pas à chaque fois. Putain, où est-ce que j'ai placé mes machins? Pas à chaque fois, mais en général, ça passe. J'en mets deux. Je vais juste replacer le machin. Je vais pas les activer tout de suite par contre. Hop. Du coup, on va les attendre, parce que d'après le trajet, hein, c'est bien par là que ça... On va se mettre là, tu vois. Mettons-nous là. Donc je joue, comme je l'ai dit, je joue réaliste comme si c'est la première fois que je faisais le jeu. Enfin, par rapport aux informations qu'on a, tout ça. Hein, je vais pas... Sinon, j'aurais déjà fini la mission quelque part. Donc voilà, le trajet. Alors, je sais pas s'il est vraiment parti de là ou pas. En tout cas, il arrive là et ils repartent. Je vais pas me risquer à aller à l'aéroport. Parce qu'il y avait une Jeep ici, on l'a vu. Et quoi d'autre? Bah, j'ai préparé mon embuscade, donc on va sagement attendre. Ils arrivent ou quoi? J'entends le camion là. Ils arrivent. Ouais, ils arrivent. À mon avis, ils arrivent, je les entends. Ou alors c'est la Jeep, mais c'est un des deux. Je crois les avoir entendus. On va attendre. Donc oui, j'ai mis le camouflage APD, donc qui est bon dans les... Je crois que c'est seulement dans les marécages et je sais pas quoi. Mais bon, c'est histoire de changer aussi, pas toujours mettre le même. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à un moment donné? Donc vu que là, je vais que attendre, je vais vous faire hein, une petite accélération du temps et on se retrouve dès qu'ils arrivent. À tout de suite. Ah, ça y est, écoutez. Ils partent. J'ai pas eu son exactement. Et au passage, j'ai entendu qu'ils arrivent. Donc oui, j'espère que vous avez apprécié l'accélération si je l'ai fait. J'ai maintenant la possibilité de... Enfin, j'ai pas assez d'argent, mais je vais... Ah, bah, presque pas assez d'argent. Bah, vas-y, on va le faire. Développer le papillon coupable, qui est le fusil sniper anesthésiant pour Quiet. Je peux pas le faire, du coup, carrément, quoi. C'est pas grave. Je vais pouvoir le faire, quand même. Hop. Donc, voilà, on peut vendre les ressources, comme ça, hein, c'est fait pour ça. Et il me reste 260, c'est beau. Et voilà, je lui développe le fusil anesthésiant qui est beaucoup plus intéressant. Qui est beaucoup plus intéressant, quoi qu'il arrive. J'aurais bien mis des C4 au bout. Ouais, non, il y a déjà les mines. Non, ça sert à rien. Donc, normalement, ils avancent. Ils sont là-bas. Donc ils doivent être là. Ils arrivent. Attention, ça va chier, j'ai le stress qui arrive. Il faut surtout pas détruire le camion, puisqu'il faut le prendre. Ça a l'air d'être un camion blindé, tout ça. On les entend pas encore à l'horizon. Là. Ouais, ça arrive.
Et voilà, les voilà. Donc d'abord au tout début on a un lave, ensuite on a le camion et ensuite on a un char d'assaut. Ouais. Je suis peut-être un peu près. Pas grave, je vais le mettre ici. Alors. Même pas le marquer, c'est n'importe quoi. Mauvaise nouvelle. Ok, donc là c'est vraiment Cypher apparemment. Ah! Mon vu, mon vu, mon vu. Allez, allez, prends-le, prends-le, prends-le. Cours! Et moi j'y vais en mode bourrin. Allez! Bam! Ils m'ont perdu de vue ou quoi? Là je me casse moi. Excellent la vue d'intérieur en tout cas. Mais bon. Oui donc je me casse pas la tête à les affronter. Tout simplement parce qu'on est en environnement ouvert et que j'ai pas du tout ce qu'il faut. Pas remarque. Je pourrais essayer avec le véhicule. Et oh les copains. Ouais, allez, 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 c'est cadeau. C'est pour vous, c'est cadeau. Je les ai déjà battus. Les Skulls ne sont plus censés me faire peur. Bon, le seul problème, c'est que je les vois plus. Allez, je me les fais, je me les fais, parce que, bon, c'est nul si je fuis. On peut les... Bam! Vous avez bugué ou quoi? Comment ça se passe? Vous avez bugué? Ils ont bugué ou bien? Ils me visent pas? Bon bah bug. Enfin je crois. Ah! Non pas bug du tout, pas bug du tout. Je bourre. Allez, allez. Shit. J'aurais peut-être dû fuir. En fait, je change d'endroit juste pour avoir une couverture quelque part. On va aller à l'aéroport. Juste là. Aïe 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 aïe, faut pas que je meure, ne meurs pas, ne meurs pas. Please please. Non pas là. Pas là du tout. Il me faut une couverture. Et l'aéroport est cool, pourquoi? Parce que lorsque on combat des Skulls comme là, on va pouvoir voler les ressources. Hop! Oh, putain il est déjà là lui, on dirait un film d'horreur quoi. Je suis en train de courir partout. Je crois qu'il ne rentre pas dans les bâtiments. Partout. Raté. Non, pas raté du tout. Le deuxième m'a pas raté. Ah, ils sont assez puissants. En fait, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas le bon fusil de sniper. J'ai pas ce qu'il faut. J'aurais dû fuir quand j'aurais pu. Qu'est-ce qu'on va faire?
que le problème c'est que j'ai pas du tout l'armement intéressant. Ah, cool. Hop. 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 Oh yes, j'en ai eu un. Ça me sert pas à grand chose là du coup. Ah, oh. Vous faites mal, bande d'enfoirés. Non mais on va se les faire, pas grave. Deux. Oh, putain. Cours, cours, cours. Ça, ça détruit. Ok. Oh, un plan. Ce hasard. Ce hasard. Oui, non, j'en profite. Je rappelle qu'on est en combat de boss. K.O. J'ai trouvé une cassette aussi. Ah, une cassette ennemie éliminée, ça peut être pas mal ça. Pour se sortir d'une alerte. Ça peut être cool. Ah, j'ai l'impression qu'ils ressentent rien de ce que... Non, toi, tu dégages, toi. Mais... Voilà. Je sais qu'on peut les recruter à un moment donné. Vas-y, attaque-moi, attaque-moi, je t'attends, je t'attends. Toi là-bas. Qu'est-ce qu'il ? T'es trop lent. Esquive ! CQC, bitch. That's right. CQC. Et plus qu'un, allez. J'ai foiré, j'ai appuyé trop tôt. Mais... Ah ! Non, 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 barre-toi, barre-toi. Ne meurs pas maintenant. Non, vraiment, vraiment, ils sont trop puissants, je sais pas quoi, là. Il est où, lui? Il est de l'autre côté, forcément. Ah, il est à l'intérieur, d'accord. Le truc... Putain, mais il est dégagé. Donc, il est là, en fait. Il est dehors, maintenant. Eh non. Vas-y, vas-y. Esquive. Eh ouais. Eh ouais. Ah. Putain, il est pas mort. Voilà. Who's the boss now? Donc je peux pas les filtrer. Mais eux, je peux les filtrer. Non, c'est cool. Je peux pas encore les fultonner, les parasites. Je les ai eus tout seuls. Ils en étaient témoins sans coyote. Ou autre joyeuseté. Du coup, je vais me dépêcher de récupérer les ressources qui sont ici. On va faire un truc aussi, on va détruire... Je peux pas être le... je le fais devant vous parce que c'est pour vous montrer que c'est intéressant de faire ce combat-là. Non, mais pas là, connard. Voilà. Tac, j'en mets deux pour être sûr. Petra, Petra pas. Ouais, Petra. Et ensuite, on va enchaîner directement avec l'autre mission. Je vais pas... Je pense pas que je vais repartir en hélico. Là, je voudrais juste reprendre les containers. Ils sont quelque part. Je regarde un peu partout. Là, il y en a là-bas. Il y a le truc en plus... Le problème c'est que les gardes à un moment donné se réveillent, faut savoir ça. C'est pour ça que je me dépêche. En tout cas, cool, cool le combat, on a réussi à extraire ce camion à la con. Prends ça, merci. Et que dire de plus?
Donc voilà, voilà pourquoi c'est intéressant, parce qu'on peut prendre les ressources presque tranquillement. Les gardes vont se réveiller, mais après un petit moment... Ah, arrête d'avancer, connard. Du coup, voilà. Je me fultonne, moi. De toute façon, il va falloir que j'appelle la RA Pro. Là-bas, je crois pas qu'il y en a... Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Toi, est-ce que tu vaux le coup? Toi, t'es mort. Je prends ça. Je prends ça. Donc oui, je fais mon marché, quelque part. C'est un peu le marché. Non, le combat est cool, mais vous voyez que là, j'étais tout seul et c'était... Bon, faut avoir une couverture, quoi. Si j'avais combattu ou que j'étais resté là-bas, c'est pour ça que j'ai bougé, hein. Si j'avais combattu là-bas, je serais mort. À mon avis, parce que vous avez vu les dégâts que je me prends, j'ai pas la meilleure tenue, en même temps c'est moi qui l'ai voulu, j'ai pas voulu mettre la combinaison furtive dès le départ. Donc, bah c'est pour ça qu'il faut une couverture, quoi. Je suis allé à l'aéroport dès le début. Et il faut savoir que si vous allez à l'aéroport dès le début, le camion est là. Directement. Si jamais vous avez envie d'avoir le reste, là-bas il y a des ressources encore, c'est magnifique. Muy magnifico. Et ensuite, on va repartir en free roaming, c'est-à-dire qu'on va aller dans le mode libre et on va juste aller. On va juste aller faire l'autre mission automatiquement. Ça, c'est important, ça. Ah oui, d'accord, je suis à moins 80 000, d'accord, j'avais pas vu en fait. Ok. Non, faut pas déconner non plus. On va faire quelque chose. Ressources biologiques. Je vais en vendre. Attendez, j'ai combien? Quantité possédée, 17. Non, c'est... Je vais en vendre 7000. Et... 7000 et quelques. C'est juste pour avoir de l'argent. 7283, pour être précis. Pour faire exactement ce que j'ai. Ah, presque. Voilà. Ça me donne 720, tac... Et vous voyez, hop, j'ai de l'argent. C'est comme ça qu'on se fait de l'argent avec les ressources. Le mieux sont les ressources de luxe, là, les sortes de... Je sais plus quoi, là. Ça vous sert qu'à ça, en fait. Moi, j'ai vendu celle-ci parce que j'en trouve plein dans ma partie sur PC. J'en avais toujours plein, en fait. Même en vendant, tout ça. C'est ce qui m'a aidé à tout développer, donc... Donc maintenant, je suis dans le positif. Je suis à 600 000, c'est n'importe quoi. Ça, on va développer quelques petites choses en attendant. On va développer. Qu'est-ce qu'on va développer? Nous allons développer le Rénov. Ah oui, on pourrait changer de fusil sniper, ce serait pas mal. Ça, il faudrait le développer à un moment donné. 250 000. La mine anti-véhicule. Enfin, pas anti-véhicule, mais c'est quoi ça? Munition, solidité, ok. Ah, tenue d'infiltration, ça je le fais. Je réfléchis même pas. Sonar actif, précision médicale. Médicale peut être intéressant, et après j'ai plus d'argent. Et après on verra. Oui, il faut quitter la zone, c'est vrai. Oui, parce que moi je suis encore là à faire n'importe quoi. Donc, je crois pas qu'il y ait d'autres ressources. Je crois pas, j'en ai récupéré tellement, en même temps c'est tellement... Ah, il y a un garde ici. Où es-tu, petit pharaon? Tu es où? Tu es en haut, comme d'habitude? Tu te caches? Oh, il est là. Est-ce que tu veux le coup, toi? Ouais, rambé. C'est rambé, quoi. Il y avait une jeep, normalement, là, mais bon. On va prendre le cheval et on va s'extirper. Putain, on va aller où? On va aller là. Allez, go! Yeah! Je suis en sang, mais... J'ai survécu. Et seulement avec ouais, les grenades sont assez puissantes contre ces machins-là et les fusils d'assaut. Donc vous voyez que c'est des skills différents des autres, c'est-à-dire qu'ils sont résistants, ils peuvent se changer en armure, mais apparemment c'est limité, on l'a vu. Avec un certain dégât. Et vous voyez aussi que sans la jauge de vie, parce que j'ai vu qu'il y avait la jauge de vie en fait, quand on avait activé les marqueurs, sans la jauge de vie, c'est... C'est un peu plus compliqué pour combattre les boss parce qu'on focalise pas forcément sur le plus faible ou quoi que ce soit. Donc là il y a encore des gens donc on va se les faire. Oh non, pas eux, dégagez-vous. Il est un peu détruit le machin, je vais pas le... Non, même si je pense qu'il pourrait encore marcher.
Bon. Et ils sont quand même à gauche. Les ennemis par là. Ah oui, c'est des machins qui errent, je pense. Ça, ça va me faire sortir de la zone. Non, pas encore. Ils sont au-dessus. Alors là. Est-ce qu'on peut y aller au-dessus déjà? Oui, on peut peut-être y aller. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Parce que là, au-dessus, ça m'intéresse. Je trouve déjà un truc à faire alors que j'ai même pas fini la mission. Et... le chat qui... le chat. Le cheval qui passe à ras les mines et qui en a rien à foutre. Alors, qu'y a-t-il au-dessus? Pretty good. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah d'accord, j'ai vu les corps. Largage d'appro, exactement ici, s'il vous plaît, merci. Je les marque pour les repérer. Non, parce que en général, c'est des soldats, vous savez, ils ont été un petit peu possédés pendant l'aventure. Enfin, pendant l'arrivée des Skulls. Et là, maintenant, on peut les récupérer avant qu'ils se réveillent. Oh, rang A. Ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Allez, voilà. Sur le cheval. Puc. Oh, carrément! Ah, je savais pas ça! Pauvre cheval, non! Cheval! Il est mort. Eh non, il est pas mort, rassurez-vous. J'ai eu peur. Je me suis dit. Bah, à mon avis, je vais perdre par contre de la. La confiance avec parce que. Bah, parce qu'il est assommé. Rang B, je te prends maintenant, je prends rang B et. À part rang C en truc de plateforme, tout ça, mais sinon le reste, ils vont se faire foutre. Ah, il y a quelqu'un par là. Là-bas. T'es combien toi? Rang A en médecin. Développement HP, papillon coupable, c'est cool. Hop, Fulton. Et il en reste un qui est un peu plus loin. Non, c'est vraiment pratique de combattre les Skulls. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de ressources. Il est où l'autre? Putain, mais comment retrouver un. Ah, il est là. Ok, j'ai pas vu. Rang B, allez vas-y. Tac. Cheval. Donc oui, j'ai le sonar, j'ai oublié de le dire la dernière fois. Tu détectes toutes les formes biologiques ou vivantes, j'en sais rien. Ou en mouvement peut-être. Bon, on va aller là. C'est marrant ce... D'accord. Bon, on va aller là. Tac. Allez, go go. Yeah. Bon bah c'était cool cette petite mission qui a duré une demi-heure. J'ai mis une plombe c'est vrai mais je pense qu'il y a eu un quart d'heure de... Ouais remarque il y a eu l'attente aussi donc ça a duré un peu moins de temps. Donc, normalement il y a un accéléré si j'oublie pas. Voilà. Yappa. Mission complete. Bon un petit peu en mode bloody mais c'est cool. Caravane, exactement c'est réussi. Et qu'est-ce qu'on a récupéré dans ce camion? J'aimerais bien savoir. Putain, j'en ai récupéré des trucs, hein. Regardez-moi ça. Récupérer des 26, cool. Oui, bon. Et rang... Non mais, oui. Alors... Parce que je pense que j'ai éliminé les Skulls, mais regardez, j'ai pris mon temps, vous avez bien vu, j'ai récupéré les ressources, j'ai fait n'importe quoi avec les soldats, 31 minutes, et rang S quand même, je trouve ça n'importe quoi. Enfin bref, j'ai battu les Skulls, c'est déjà ça. Rang S, quoi. Sans le vouloir, c'est... Boss, we searched the truck you recovered. There were two primary types of cargo. First, drums of malachite, a copper ore. That took up most of the truck bed. But malachite isn't valuable enough to warrant an escort. The real cargo was likely the second item, a shielding container. The contents? Yellow cake. That's right, the raw material for a nuclear weapon. That might point to the weapon to surpass Metal Gear Emmerich told us about. But who can say? Thing is, there isn't a lot of it. Not enough to make a nuclear war
us some time. We'll look into it. Try to figure out why they had this under such close guard. Donc du matériau pour fabriquer une arme nucléaire, mais pas assez. D'accord. La cargaison de Cypher. Très bien. Risque nucléaire, excellent. Vous avez des soldats d'élite, parce que ça c'est ceux qu'on a récupérés. J'en suis conscient. Il va falloir que je fasse la mission secondaire de l'armurier. Et on verra ça plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que... What? Ah. Ah merde. Bah on va y aller tout de suite alors. C'était pas prévu hein, vraiment. Non non, très bien, très bien. Donc on a deux membres à sauver. Oui ça c'est le soldat. C'est juste pour le... voilà. Qu'est-ce qu'on a écouté? La cargaison de Cypher, je vais vous le faire écouter. Mais Zero Risk Security, donc ça c'est sûr. C'est le... Allez, je vous la laisse. 30 secondes. The company sends operators to conflict regions around the world, not just Africa. They have decades of combined experience. They're also based out of South Africa. Their headquarters is in Johannesburg. A lot of their work involves corporate security for South African companies, but a good number of their operators are retired South African military. So don't mistake them for a bunch of security guards. Donc il faut aller jusque là pour commencer la mission. Hein. En même temps, je vous fais écouter les cassettes. Putain, j'ai eu de l'argent, quoi. Cool, la cargaison de Cypher. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc celui-ci, c'est le chacal. On dit des chacos. Trouver un plan. Non, ah oui, c'est le soldat. Très bien. Gestion du personnel. Et vous dégagez. Allez, c'est vrai, sniper. Sniper, sniper. Donc, soit j'ai ça avec une grosse lunette. L'autre est un peu plus intéressant. Celui-là est un peu plus intéressant, le M2000. M2000, bombe Bethoff. Le bombe Bethoff. Non, le M2000 toujours. M2000 toujours. Le M2000. En plus, je peux le rechanger après. On va prendre le M2000 en fusil sniper assez puissant. J'aimerais bien le Brennan, mais bon, il faut un niveau de R&D assez élevé. On va faire le F2000, le M2000, pardon. Au cas où, j'ai un combat qui demande beaucoup de choses. Je peux y développer rien du tout. Le Naked Sang, évidemment, et Naked Argent, et Naked Ore. Mais ça, on verra une autre fois. 160 000 pour... une vitesse améliorée, donc on va le faire. Et puis je développe plus rien. Donc là il va faire nuit. Il faut aller jusqu'ici, donc il faut que j'aille tout droit. Très bien. Tout droit, tout droit. Que dire de plus? Donc là il faut sauver deux membres de la Mother Base, si je me trompe pas. Hein, j'espère ne pas me tromper. Sauver les deux membres de l'équipe de renseignement détenus au camp de Kiziba. Donc Kiziba il est à droite, mais je suis obligé d'aller... C'est dommage, je suis obligé d'aller jusque là en fait, jusqu'au point. J'accepte la mission. Et du coup, il faut que j'aille jusque là-bas. Si je comprends bien. Voilà, il faut que j'aille jusque là. Mais on va commencer la mission. Ah bon, il y a des ennemis? Oh, on s'en fout ça. Donc il pleut, il fait nuit, c'est cool. Ça me dérange pas. Ça donnera l'occasion de laver les vêtements de Big Boss. Par contre, je me demande, est-ce que je devrais prendre 10 dogs pour repérer les prisonniers? Ça pourrait vachement m'aider, ça. De prendre 10 dogs. Parce que là, si j'y vais à l'aveugle comme ça, à l'arrache, plus j'ai pas Quiet, j'ai pas... Ouais. On va peut-être s'écarter un peu. On se rapproche du
champ pétrolier. Mais on va pas y aller évidemment. Vous voyez que le vêtement se lave légèrement. Je crois qu'il faut mieux que je sois à pied en général, mais c'est pas grave. Ça se lave, ça se lave. Le sang s'en va. Du combat contre des Skulls, évidemment. Un camion. Ah non, mais moi, il me faut un camion. Merde, je suis en plein dans le... Oh, j'ai la flemme de... C'est un camion ? C'est un camion. Il s'arrête ou pas ? Non, il s'arrête pas. Puis j'ai la flemme d'aller l'intercepter. De toute façon, il se barre. D'accord. Non, non, bah tant pis. Hein. Tant pis. Donc voilà, l'émetteur il est là-bas, donc voilà comment ça se passe. Et vous voyez que je suis propre. Tout propre. Waouh, il fait nuit d'un coup. Je voudrais regarder juste la mission pour... Alors on va réécouter vite fait. Attends. Sauver des mondes détenus au camp de Kiziba. Donc c'est sûr, ils sont au camp en fait. Bah écoutez, je vais rester comme ça, on verra bien. Si j'ai fait une erreur, je rechangerai et je recommencerai la mission, c'est pas grave. Bonjour. La commande, vas-y, déféquer. Oui, ça c'est pour justement pour faire glisser les jeeps ou autre. Sauvetage, agent de renseignement. Ok. Cheval. Machin qui disparaît. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y en a qui s'est échappé, voilà, c'est pour ça. Ah, il est encerclé, j'aurais dû prendre D-Dog, d'accord. Je sais pas où il est, hein. Là, je m'écarte du point de contrôle. Non, très bien. Alors là, je vais peut-être me faire repérer, tant pis. Hein. Alors, c'est où? Ok, c'est là. Je suis pas loin, je suis pas loin, faut que je me dépêche. Je suis pas loin. J'aurais dû prendre D-Dog, par contre. Allez, allez, freine pas sur des rochers à la con. Il y a déjà des soldats. Il y a déjà des soldats. Putain, ils arrivent tous là. Oh, la chance, je vous jure que c'est le hasard. Bah viens avec moi, tiens, vas-y. Ça, je vous jure que celui-là, je galérais à le trouver à chaque fois, sachant que j'ai fait la mission beaucoup de fois. C'est n'importe quoi. Oh putain, le hasard, je vous jure que c'est vrai. Oh la vache. Alors, ce serait le GG si je me fais pas repérer, parce que là, il y a des troupes partout, il y en a à gauche. Une Jeep. Non mais vous y croyez à ça, je vous garantis que c'est du hasard que je tombe sur lui. J'ai déjà fait la mission évidemment, mais oh non. Tarre-toi, tu vas me faire repérer. Bon, je pense qu'il n'y a plus personne là. Ok, donc c'est où? C'est exactement là. Donc c'est le camp de prisonniers qu'on avait déjà vu, je suppose. Ok. Oh là là, c'est beau ce que je suis en train de faire. Je suis tombé pile dessus. Je savais qu'il était bah, un peu comme il était là, derrière des petits rochers. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai mis la vision nocturne. Nocturne thermique même, parce que c'est un peu le mélange des deux. Sinon, les soldats... Je ne verrai pas aussi brillant que ça. Mais ouais, non, c'est cool.
On va aller sauver l'autre parce que l'autre est peut-être en train d'être torturé ou autre, donc ça serait bien de... C'est con, hein. Alors... Donc oui, sans marqueur, c'est un peu plus dur. Ok, donc oui, je fais le grand tour. Hein. Voilà. Je fais le grand tour. Donc en fait, ça a été, mais sachez que si vous avez D-Dog, il vous trouve le prisonnier en 2-2. Donc ça, c'est cool aussi. D-Dog est très bon pour les recherches, comme les déminages, tout ça, ou les soldats, évidemment. C'est vrai que c'est excellent, ça. C'est pour ça que j'ai hésité, mais du coup, j'ai pris, en plus, sous la pluie, comme ça. J'adore ce paysage-là, comme ça. Non, faut que j'aille encore plus au sud. J'aurais pu passer faire le tour de l'autre côté, mais vu qu'il y a beaucoup de soldats qui étaient déployés, j'ai pas pris le risque. Mais je suis encore choqué du hasard de trouver le soldat dès le début. Je me rappelais plus que c'était là, hein, vraiment. Quoi? Oui, je sais. Ah. J'y vais. Faut se dépêcher alors. Il est juste là, quoi. Faut se dépêcher d'après Bobby. Faut se dépêcher. Là-bas, il y a des soldats. À gauche, il doit y avoir sûrement quelqu'un. Donc ça doit être le camp de prisonniers le même. Ah ouais, c'est ça. Il y a l'autre là-bas. Ok, ils sont deux. Elle est belle la deuxième. Il est où? Il est en dessous. Alors quand je parle pas, c'est que je suis en mode stress. Eh non, mais alors là, franchement... Ah, qu'est-ce qu'il parle de maladie ou autre, lui? Je sais pas si ça serait... Non, on va prendre l'hélico ici. Quoi, y'a quelqu'un? Non, c'est bon. Bouge pas. Allez! Oh, cette mission parfaite, mon dieu. Et là, je suis vraiment... C'est en fait la première fois, et même les autres fois, j'ai jamais réussi aussi parfaitement, je crois. Avec pas beaucoup de matériel, je parle. Parce que moi, c'est quand j'avais réessayé pour le rang S, évidemment, on est mieux préparé, on a des trucs encore mieux, on est en mode combinaison furtive, on a même peut-être Quiet ou autre, comme vous voulez. Mais là, techniquement, pour une première avec du vieux matériel à la con, ça s'est très bien passé. Alors c'est dommage, le prisonnier disait des bons trucs. Et c'est le marécage, en tout cas ça s'est excellemment bien passé, je veux dire. Je vais l'emmener à pied, pourquoi? Parce qu'il a des choses à dire. Je crois. Et juste pour le... voilà. Il est où lui? Il est là-bas. Ça, je suis pas loin de toute façon. Je vais attendre, hein, le temps qu'il parle. Pour tout quoi? Bon, là, je sais pas. Bon, bah voilà, la deuxième mission qui se passe excellemment bien. Allez, on se casse. Excellent. De tous en coyote. Bravo. Mais je suis un Diamond Dog, donc je me dois de sauver mon camarade. Camarade.
C'est cool. C'est cool, ça s'est très bien passé, je suis content. Donc même si la prochaine mission se passe mal, c'est pas grave, j'aurais bien cartonné. Ah, ça fait plaisir. Mais vraiment, la chance au premier prisonnier. Le deuxième, là, est pas trop dur si on se dépêche, comme là. Mais le premier, j'ai toujours galéré à le trouver, et là, c'est vraiment les nuits. Heureusement qu'il faisait nuit, en fait, je pense. Là, tu m'étonnes, le rang S. Là, je suis pas surpris. Ok. Là, oui, rang S, je dis oui, il a pas été repéré, tout ça, c'est bon. La cargaison de Cypher. Tiens, on a un truc à écouter, c'est cool. Soldat d'élite, je sais. Tatatitata, dégage. Il avait une tête bizarre, lui. Bon, bah voilà, c'est cool, on a sauvé nos deux compatriotes. Alors, qu'as-tu à dire, mon cher ami? Ah bon? Ah! On a deux contrats, donc. Et vous voyez que là, la forme de la délimitation de la mission, ça fait un diamant pour le truc. Donc il faut faire ça. Et le commandant inspiré a connu sous le nom de Major. Répand une rumeur sur la vente d'armes nucléaires. Suivez son subordonné, éliminez le Major, d'accord. Et là, éliminez les 6 soldats rebelles, embellés prisonniers. Éliminez carrément de la tribu Buta dominante pour les empêcher de parler. D'accord. Ok, non, bah on va le faire. On va pas le faire. Je pense pas qu'on va le faire aujourd'hui. Honnêtement. Je pense qu'on le fera la prochaine fois, je suis pas sûr. Je vais vous faire écouter les cassettes qui sont intéressantes. La cargaison de Cypher, notamment. Je voudrais savoir c'est quoi ça. Militaire privé. Oui, non, ça, en fait, il nous présente les plusieurs sociétés militaires privées qui sont... Il y a deux factions rivales et... qui sont beaucoup plus expérimentées que le reste. Et la mine de Kugenga. On va en apprendre là-dessus aussi. En attendant, je fais mes petites choses. Alors, est-ce qu'il y a un connard là-dedans? Là. Aucune pitié. Donc le camion que j'ai récupéré marche apparemment. On va envoyer cela. Rang B, tiens, on va envoyer les rang B pour voir. Oui, les cassettes, c'est normal. Ah, uranium. Alors, qu'est-ce que je pourrais m'acheter maintenant? LM2000. J'aimerais bien prendre celui-là aussi. Celle-là aussi. Ça aussi. Et ces deux-là aussi. The government was supposed to have abandoned nuclear weapons development after caving to international pressure. Comment je pourrais faire? But rumors persist that it's continued in secret. Plus, ZRS were escorting the truck, and they're based out of South Africa. Va en vendre 1000. 1000, ça me donne 100 000, c'est tout. Putain. Nuclear development in South Africa. But how would that fit with their weapon to surpass metal gear? We need more information. Pareil pour le métal. Pas trop que j'en vende parce que c'est important. Hop. Voilà. Ça permettra de développer quelques petites choses en plus. Ça notamment. Pentazémine. J'en ai déjà 50 000, ça vaut pas cher. Révèle maintenant les organismes, on sait que c'est quand on a activé le marquage, donc ça me sert à rien. Réflexe artificiel, j'ai pas de mode réflexe, donc ça sert à rien. Camo furtif est un peu cher. Alors ça, je fais la mine. La mine de véhicule. Voilà.
Regardez les missions secondaires. Oh, soldat errant. On va le faire. On va finir par le soldat errant. Ok. Il a bois la Yamasa. Et l'armurier légendaire. Qui est en Afghanistan. Ok, donc je vais faire l'armurier légendaire et le soldat errant. Et on finira sur le soldat errant quand on aura revu Paz. Donc d'abord l'armurier légendaire, comme c'est en Afghanistan. Putain, il est là-dedans. Ça va être marrant, tiens. Ça va être très très malin. On va arriver par là pour changer. Je sais pas trop quel est le mieux. Et comme c'est en Afghanistan, on va faire la logique. Avec quelqu'un d'autre, sprint plus rapidement, plus rapide escalader et ramper. J'aime bien Komodo Dragon, je le prends souvent. Et on va te laisser en désert. Tiens, on va te laisser en mode désert. Par contre, ce coup-ci, on va prendre Quiet parce que vu que j'ai mis le papillon coupable, là, ça va être intéressant. Et je peux rien te mettre. Ok, bah écoutez mes chers amis, on est parti. Je suis pas trop fan de vous infliger, vous savez, les décollages, atterrissages avec l'hélico, mais bon, là, j'ai pas le choix avec deux missions secondaires qui se passent à deux endroits différents. Mais cette vidéo ne fera pas une heure et demie, du coup, pour le coup, ça va changer. Là, je vois qu'il est, on est à 55 minutes, mais un peu moins, parce que normalement, j'ai censé avoir accéléré. Ouais, va faire 1h10, je pense, voilà. Allez, quand tu veux, par contre, ton chargement, ça me... Ce serait bien qu'il y ait un conteneur dans le camp, comme ça on peut s'extraire par conteneur si on monte dessus, donc ça je le ferai. Alors, le petit logo d'Iman Dog sur le dos de la cagoule, c'est cool. Nous allons extraire, j'espère ce coup-ci, pour la troisième fois, l'armurier légendaire qui pourra nous permettre de customiser nos armes. Il faut savoir que pour une customisation optimale, il faut... à tout prix. Ah oui, d'accord, ce poste-là. Oui, je me rappelle. Je me rappelle plus c'était lequel, mais là, c'est bon. Il faut... le mieux, c'est d'acheter tout ce que vous pouvez, parce que si vous achetez certains lance-grenades, vous pouvez les mettre en dessous. Enfin, bref, c'est... Allez, on descend. J'aime bien jouer des autres soldats. C'est juste pour... Allez, là. Oui, allez, encore... juste pour le truc de la logique, quoi, en fait, finalement. Donc, ma chère Quiet, tu vas me faire le plaisir et l'immense honneur de partir à la recherche, à la reconnaissance de ces choses. Et nous, on va essayer d'aller par le derrière du bordel. Donc, lui, il rentre rapidement, donc ça, c'est cool. Et oui, comme je le disais, j'aime bien jouer des autres unités... Alors, après ce fail, car oui, je suis mort, mais je vous l'ai peut-être pas montré, je pense pas. Ma chère Quiet. Oui, tu restes là, oui, c'est bien, c'est bien ici. C'est lui qui m'avait repéré, en fait. Il était monté, je savais pas qu'il était si près que ça. Du coup, tu meurs. Ah, il a vu quelque chose, mais tu vas dormir, mon cher ami. Fais dodo, mon Dieu. Allez. Voilà. Touché. Un autre là-bas. Allez, faites dodo, s'il vous plaît. Un camion qui arrive, parfait. Putain, arrête, là. Voilà. Le gars, quoi. Horrible.
Merci pour le canon anti-aérien. Ah, c'est lui l'armurier, non? C'est pas lui. Non, ils sont tous intéressants à fultonner, donc on va les prendre. On va les prendre dès que l'on peut. Ah, je peux peut-être sauter jusque là-bas, non? Donc pareil, hein, si je me fais repérer, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors... Oui, on peut arriver jusque là, bien sûr. Tac. Donc, honnêtement, je savais même pas qu'on pouvait passer par là. Vraiment. Oui, vas-y, monte partout, hein, vas-y, fais ta vie. T'es comment, toi? Ouais, si. Oh là là là. Ce talent. Ah, c'est chiant d'être talentueux, c'est chiant. Je plaisante, évidemment. J'en interrogeais un, quand même. Où est l'armurier légendaire, please? Merci. Donc l'armurier légendaire est un prisonnier. T'es sérieux? Putain. Oh là là. J'aimerais bien lancer Coyote à déglinguer tout le monde. Voilà. Allez. What? Voilà. Je fultonne tout le monde, ça veut rien dire, et je vais faire repérer maintenant. Voilà. Oh. Allez, combat! J'ai pas été repéré du coup, mais... bientôt. On s'amuse. Où sont les copains? Ouais, je... What? Il m'a pas vu, lui. Lui, il m'a... Il m'a pas vu, lui. Putain. Oh, mon Dieu. Autant l'IA peut être pas mal des fois, mais des fois... Oui, je... Comme j'ai dit, je donne tout ce que je peux pour voir. Toi, oui. Hop. Oh, bonjour. Michel? Yaa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 
Attends, je suis con, y a un trou au-dessus, donc on va pouvoir le dégager comme ça, lui. Par où je suis arrivé? Là. Hop. Tenez la magie. Waouh. Bon, ça touche un peu le mur, mais c'est pas grave. Ah, c'était lui, d'accord. Est-ce que c'était vraiment lui, du coup? Suspense. Il est là-bas, Quiet. Il est là-bas. Il en manque. Putain, mais elle a endormi tout le monde, c'est pas possible. Endormi tout le monde, la mère Quiet, là. Hop, tu viens avec moi, tu viens avec moi. Lui, il est mort, je pense. Donc, il y a encore extérieur, mais est-ce qu'on va se faire chier? Oui, parce que l'hélico vient là, quoi qu'il arrive. Lui, il est endormi. Et tu mérites la... Ouais, t'es rambé. Pff, allez, vas-y, viens avec moi. Même rambé, hein, même rambé, ça devient... ça devient pas terrible. Il y en a encore derrière. Il y en a encore un, mais je sais où est-ce qu'il est. Question à 4000$. Bah, il est là. Ok. Je croyais qu'il était mort. Bon, lui, il est rambé aussi en... Ouais, il faut lui parler. Ok. Donc, finalement, la vidéo va peut-être durer plus long. Allez, donc, ici, si, il y a peut-être un conteneur à droite. Yes. On va se barrer par celui-là. Vous êtes où? Là. Putain, t'as de la chance. Bonjour. Non, mais cherche pas, tu vas dormir dans 5, 4, 3, 2, 1. Et il s'est endormi. Putain, mais il y en a combien des gens? Des gens foutre. Oh, bien joué. On les entend, les headshots de Quiet, ça fait mal. Elle leur fait mal. Aïe. Ouais, allez, renseignement. Aïe. Tu vas me cogner contre la porte. Renseignement. Il y en a d'autres? Apparemment oui, mais on sait pas trop où ils sont. Donc je vais chercher l'autre déjà. Voilà comment se passe en général, mais non, mes opérations secondaires, j'essaie de les faire infiltration, mais là vu quand je suis en vidéo, je peux pas non plus mettre 3 plombes à avancer. En vrai je le fais, mais là. Ah t'es là, d'accord. Tu peux vider ton chargeur, je suis invincible. Ok, donc tout le monde dort, si je comprends bien. Toi tu viens avec moi. Il était où celui que... Putain, il y a des corps partout, c'est n'importe quoi. Toi tu viens avec moi, rang A, c'est intéressant. Rang A minimum en général. À la fin je veux qu'il y ait que des rangs A et des rangs S. Et il en reste quelques-uns avant de repartir. Oh non, pas la tempête de sable, non. Je regarde tout autour parce que... Non, ça doit être à l'intérieur. Alors, où est-ce qu'ils sont, ces fumiers? Là, 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 juste en bas. La tempête de sable, ça m'embête un petit peu. Rang B, allez, je t'emmène. De toute façon, c'est pour viser les derniers fulletons. Merde, j'en ai vu un deuxième. J'en avais vu un deuxième. Il en reste un normalement. Il en reste un, mais la tempête de sable va nous faire un petit peu chier. Où est-ce qu'il est le deuxième? Où est-il? Là? Encore? Il est là-bas.
Il y a encore un véhicule qui arrive. Bah on va s'amuser, hein. On va s'amuser. Tant qu'il y a des... Regardez, on va leur faire peur. Normalement, ils ont entendu. Lui, j'attends avant de le fultonner parce que 50% ça m'embêterait parce qu'il est en A++ quand même. Ils sont là-bas. Ah, il y en a un qui s'est réveillé, merde. Ah non, c'est le machin. Ça. Oui, c'était ça. Bah vas-y, clear. Et on va finir après pour le, par le truc de la Mother Base, le soldat égaré, soldat errant. Ils ont repris le camion apparemment. Alors. Ils vont venir jusque là ou pas? C'est la question. Allez, passe à 100%. Voilà. Est-ce qu'on va faire ce qu'on va demander à Coyote de tirer? Je sais pas où ils sont, les connards. J'entends du camion sur la droite. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont loin, putain. On va se les faire quand même. Ça change pas, ça. Et après, on va se barrer. J'espère qu'il me reste 3 Fulton parce que j'aimerais bien prendre le camion avec moi. Pas où ils sont. Par contre, ce que je sais, c'est que leur camion leur disent adieu. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont par là. Ah, ils étaient dans le... Bonjour. Putain, elle l'a endormi et je l'ai foutu au sol, quoi. Bonjour. Titing. Voilà, bon. Enfin nettoyer cette merde. Est-ce que tu vaux le coup, toi, déjà? Oh oui, tu vaux le coup. Oui, j'ai bien fait d'attendre et d'aller les voir. Vraiment, il faut aller voir tout dans ce jeu. Ah merde, j'ai besoin d'un autre Fulton. Est-ce que t'es bon, toi? Bah, allez, rambé, vas-y, tu meurs. Tu crèves. Hop. Coyote, c'est cool. Et encore là-bas, hein. Et on va se casser avec les ressources là-bas. Oui, j'avais besoin d'un Fulton, je me rappelais plus. Et ce sera bon, j'espère que je peux le faire. Normalement, oui. Oui, je peux le faire. Est-ce que je vais y arriver? C'est la question. C'est sûr. Voilà, faut tenir. Tac, on se tient au Fulton. Et on se casse. Cool. Bon, plus qu'une chose à faire, c'est aller chercher le soldat errant de l'ancienne Mother Base. Ah, voilà, c'est le vrai. Cool. C'est ce que je vais faire, je vais vous montrer, mais normalement je vais pas pouvoir très bien customiser parce que j'ai pas débloqué beaucoup de choses en fait. Alors je vais pouvoir customiser quoi? Les peintures, quelques viseurs, tout ça. Mais c'est vrai que dès qu'on a tout débloqué, franchement, c'est excellent. Je le dis et je le redis. Aïe, j'ai mal. Alors, customisation, personnaliser. Donc personnaliser les armes, c'est là-dedans en fait. Par exemple, est-ce que le Wuss, je peux le personnaliser? Est-ce que c'est important? Donc il est déjà en mode intéressant. Donc, vous voyez, j'ai pas énormément de choses pour l'instant. De toute façon, pour le boost, c'est pas terrible. Là. En fusil d'assaut, en général. Celui-là, notamment. On a plusieurs types de canons. Là, j'ai rien, pourtant, j'ai pas grand-chose. Et vous voyez qu'à droite, la dispersion, là, on en perd un petit peu. Non, vaut mieux celui-là. Vu qu'on a un rail, en plus, pour pouvoir mettre des choses en dessous. Donc là, on a le dual chargeur, donc c'est double. Ou alors le chargeur de 30. Bon, je garde le mien de toute façon. La crosse, on peut la changer. Là, c'est plus esthétique, apparemment. À part celle-là, meilleure stabilité de mouvement. Faut regarder les infos. De toute façon, entre celle-là et celle-là, je prends celle. Voilà. Bouche de canon. Les 4 sont...
basique, donc je vais prendre celle-là. Suppresseur, forcément. Alors, le viseur, comme moi, ça me gêne, ce viseur-là. Scope x4, putain la vache. Ça peut être intéressant, mais je vais le garder, parce que c'est quand même un fusil d'assaut, c'est pas... Ça tire assez loin, mais sans non plus tout casser. Oui, on peut les bouger, comme ça. Viser laser, on peut en mettre une, je vais en mettre une, parce que c'est intéressant. Et une poignée ou rien d'autre, donc en dessous, je pourrais mettre des lance-grenades, des conneries, et... En général, il y en a, ils mettent des trucs comme ça, ou en rose, mais moi, je suis plus dans la logique, donc je sais pas... J'aime bien orange, mais... Plus mettre en kaki ou un truc comme ça. Ça, j'aime bien aussi, mais ça va pas avec les chargeurs, de toute façon. Non, on va mettre comme ça, on va mettre simple. Et tac. Les fusils sniper. Donc, le M2000, apparemment, est mieux que celui que j'avais. Donc, ça sera celui-là que j'aurai maintenant. Le canon. Ce celui-là ou celui-là. On va prendre le plus long, hein, pour le... Voilà. Meilleure stabilité. En mouvement, mais bon, en général, je vais prendre celui-là, par contre, il va mieux, c'est un canon et c'est un machin qui se plie. Non, je vais mettre toujours le long. Et on peut mettre un silencieux maintenant. Donc c'est grâce à ça aussi qu'on peut mettre des silencieux. C'est-à-dire que c'est les silencieux aussi qui sont pris sur les autres armes. Donc ça, c'est cool. Maintenant, j'ai un fusil de sniper tranquillisant silencieux. Et ça, c'est cool. X4, x4, dot sight. Donc ça sera x4. Je sais plus si l'US est meilleur que la soviétique. Est-ce qu'on peut voir le... Non, on peut pas voir. Prendre celle-là. Et puis en couleur, bah... Vu que c'est tranquillisant, on va le mettre en bleu. On va le mettre en bleu. Peut-être pas non plus. Oui, il y a l'autre, les autres couleurs, mais là, c'est les couleurs vraiment... voilà, quoi. C'est les couleurs vraiment... vraiment, vraiment. Sans motif, déjà. On va le mettre comme ça, voilà. Donc, voilà. On a un deuxième fusil. Donc, faut vraiment mettre à jour, en général, parce que... au fur et à mesure, on débloque beaucoup de choses. Donc, voilà, pour la personnalisation. Et encore, on n'a pas vu grand-chose. Salle d'attente, on va dégager les autres. Tout le monde est plein, ouais, tout le monde est plein. Hein. Rancé, vous voyez, ça suffit plus même maintenant. Pour ça que je privilégie les rangées. Vous vous dégagez, barrez-vous, bande de ramasse-merde. Et on va aller chercher. Je regarde juste vite fait ce qu'il y a. Donc le numéro 3, très bien. Unité blindée, conteneur de matériaux. Vous voyez, j'ai fait quand même un petit peu de mission secondaire. 31 sur 157, c'est pas mal. J'ai fait, ouais, voilà, j'ai fait combien? Attends. On va aller faire ça. Voilà, Yamasa. Très bien. Mais ce coup-ci, on va prendre Snake, parce qu'on est, c'est les anciens soldats, donc ça serait bien de... Voilà. De représenter, t'as vu? Et on va rester avec cette tenue-là. Non, on va remettre en kaki, tiens. J'aime le kaki. Même pas, je vais mettre en forêt, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas mis. L'autre aller en mode, voilà, en mode tac. Sélectionner l'équipement, par contre, là, faut y penser, du coup. Et il est là. Et merde, je suis con, c'est pas un... Enfin, je suis bête. J'ai un truc à faire. Oui, c'était pas tranquillisant. J'ai dit une connerie, c'était pas un fusil tranquillisant. Donc j'ai mis un silencieux quand même, mais... Normalement, je peux le faire avec l'autre fusil. L'autre fusil, qui est celui-là, qui est tranquillisant, normalement, je peux y mettre. On peut lui mettre, on va mettre celui-là, on va garder. Bouche au canon normal, on s'en fout, on va même pas mettre celui-là, comme ça, voilà. Accessoire de canon, voilà, ce coup-ci j'ai un fusil tranquillisant, excusez-moi pour le... Hop. Et la couleur, j'aime bien la couleur bois. Hein. J'aime la couleur bois, mais... Fuck it. Fuck la couleur bois. C'est marrant ces couleurs-là, je vais mettre dessus, voilà. Oui, je mets en bleu quand c'est tranquillisant, je me fais pas chier. Donc voilà, maintenant j'ai un fusil sniper tranquillisant, excusez-moi, de ma petite petite interlude, n'est-ce pas? Et on va aller chercher les membres de la Mother Base, même si là, pour le coup... Et d'ailleurs, ce coup-ci, je vais pas faire la technique du carton, je vais essayer de le déglinguer une première fois. Quiet, non. On va prendre D-Dog. Il va le trouver, lui. Sélectionner l'équipement principal, rénove celui-là, voilà, j'ai un silencieux, donc voilà, c'est le... Est-ce qu'il est plus intéressant? Non, en fait, c'est le même, exactement. Bon, pour le style, je prends celui-là, mais... Voilà, c'est en mode... En mode, voilà. Arme de soutien, par contre, j'avais des nouvelles choses. Le leurre, j'ai pas la mine... Pas encore. J'ai pas encore la mine anti-véhicule.
En tout cas, je capture. Bah, si, je vais garder. Objet. Désolé, hein, je suis long, mais bon. J'ai tellement de boîtes, ça veut rien dire. Et les outils, j'ai tout. Eh bien, mes chers amis, on est parti, on va extraire le soldat errant et on va aller revoir Paz, parce que ça, c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas revu Paz. Et on aimerait bien la revoir quand même, savoir ce qu'elle a à nous dire, tout ça. Lampe tactique, tout à fait. Donc voilà, maintenant j'ai un silencieux sur mon fusil sniper tranquillisant. Donc là, je suis équipé, mais si le silencieux n'est pas au maximum de solidité, il est même au minimum. Mais c'est mieux que rien. Je vais pouvoir tranquilliser les gens à distance, plutôt que de m'approcher avec mon petit pistolet et de jeter des chargeurs. Là, ça va être un peu plus accessible. Alors, et on revient évidemment avec Big Boss. Et on va en plus revenir à la Mother Base, ça c'est cool. C'est cool. D-Dog, hein, que je reprends, parce que sinon on le voit jamais, le pauvre. J'aime bien D-Dog, mais c'est juste que moi, comme j'ai pas les marqueurs, je l'ai déjà dit. Hein. Voilà, donc là on atterrit toujours au même endroit, derrière la cascade, il va falloir qu'on recommence. J'aurais pu aller ailleurs et prendre le carton pour aller là, en fait. C'est vrai que c'est un peu con, là, ce que j'ai fait. Pour l'instant, on a découvert surtout cette partie-là, on n'a pas encore découvert toute cette partie-là. Hop. Voilà, c'est ça la petite lunette que j'ai gardée. Et la lunette américaine, elle est pas mal, j'aime bien. Ça fait penser à The End. Ok, on est parti. On peut pas passer par l'extérieur derrière parce qu'on peut pas, tout simplement, ça a été limité. Tiens, on va tester si j'arrive à capturer la tortue, je sais plus comment, là. C'est pas ici que j'avais capturé, mais... c'est la tortue, comment ça s'appelle, léopard, non? Un truc comme ça. Qui est assez chiante à capturer, je sais plus. Puis d'ailleurs, plus je sais même plus où faut mettre les boîtes, donc c'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Alors, si je capture la tortue léopard, j'essaierai de capturer tous les autres. Et si là, je la capture pas, bah tant pis. Le gros fusil sniper derrière dans le dos, ça fait un peu beaucoup. Donc oui, il y a des ennemis, je le sais. Mais on va pas s'en occuper, on n'a pas le temps. C'est déjà 1h25 la vidéo à chaque fois, hein, ça dure 1h30 quoi qu'il arrive. En fait, il faudrait que je fasse des grosses coupures, mais c'est chiant, quoi. Pour vous, je parle. Wow. L'as-tu senti, mon petit chien? Non, il repère les animaux, mais pour l'instant, il repère rien d'autre. Alors, où est-ce qu'il est, l'autre fumier? Non, c'est plus... Ah. Non, c'est pas ça. On va aller vers le centre. Vers l'épicentre de ce rayon bleu. Et apparemment... Par là. Il y a un camion, mais on s'en fout du camion. Regardez le chien qui s'abaisse, j'adore ça. Attends. Il est là-bas. Je crois qu'il m'a vu. Même pas vu. Ce qui est chiant, c'est qu'il bouge la tête, donc je me fail surtout, sûrement. On va se mettre plus par là. Voilà. Ah, mais là, il est de dos. Ça s'appelle un fail. J'ai l'impression que ça passe à travers, mais non, en fait, c'est que j'ai mal... Voilà. C'est le bout de la troisième fois que ça marche. Et du coup... Wow, c'est loin. Est-ce qu'il va se partir en Fulton directement? Je pense que oui. Bon bah là on a... Vous avez vu le logo Motorbase derrière, sur son dos. On n'a plus qu'à courir.
n'a plus qu'à courir, putain. Pourquoi? Non, vous savez quoi, je vais pas me faire chier. Non, 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 l'hélico, dégage, dégage. Barre-toi, renvoyé, hop. Toi, tu viens. Tac. On va prendre la technique du conteneur encore une fois. C'est un peu loin et la vidéo est déjà assez longue. En plus, on doit retourner à la Mother Base, tout ça. Il y a un conteneur là-bas, parfait. On va s'amuser, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. J'espère juste que je vais pas mourir, que ce serait con. Alors, est-ce qu'ils vont tirer sur les ballons du conteneur? C'est la question. Allez, vas-y, 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 vas-y. Allez, allez, allez. Oui. Salut les copains, salut. C'est parfait. Voilà, c'est... Je voulais pas courir jusque là-bas avec un membre de l'ancienne Mother Base sur le dos et j'ai capturé 4 gerbes. Voilà, c'est toujours pareil. La tortue de merde. Évidemment. Du coup, en tout, j'ai capturé 8 gerbes pour l'instant. C'est bien. Ok. Du coup, ça s'est fait. Juste pour vérifier, est-ce que... Avec 10 dogs en face. Voilà, ils en ont pas mis d'autres membres de la Mother Base. Il y a 2 déminages, excellent. Très bien, très bien. Et ben, on retourne à la Mother Base. Ça fait longtemps. Et avant de retourner, je voudrais savoir si je peux améliorer cette base quelque part. Ah, plateforme de commandement. Bah oui, bien sûr. Tech. C'est cadeau. C'est cadeau. Toujours. C'est quoi que j'ai trouvé? Qu'est-ce qu'il dit ici? Ah, pas en maillot de bain, carrément. Une photo gardée en souvenir. Oui, bah oui, c'est vrai, c'est con. Donc c'est cette photo-là qu'on va lui montrer. Allez, retour à Mother Base. Ça fait très longtemps. Plateforme médicale. On va pouvoir voir Coyote en plus. Cool, parce que la Coyote, elle n'était pas avec nous. On a emmené G-Dog faire sa sortie annuelle. Vu que je le prends pas souvent. Non, ça va, franchement, cette vidéo-là, ça a été, donc désolé, hein, le rythme est beaucoup redescendu en fin de vidéo, mais bon, ça fait partie du jeu pour moi, donc voilà. Et je kiffe voir cette prothèse en premier plan. Il va falloir prendre une douche, par contre, puis passe. Avec le chien qui est content. Ouais, ça avance, ça avance. Je dis pas que j'avance vite, mais j'avance. J'avance bien, on va dire ça comme ça. Faire gaffe en général à l'aspect gestion et c'est ce que je fais. Je suis tombé plusieurs fois dans le rouge, mais heureusement qu'on peut vendre les ressources. Et j'ai enfin mon fusil de sniper silencieux. Ça me fait plaisir. Par contre, j'ai pas mon lance-roquette, le deuxième que je voulais développer. Ça, c'est moche. J'adore la plateforme médicale en blanc, c'est un style. Yeah. Ok, ok. Ah oui, j'ai oublié de montrer aussi. Tac. D-Dog est là. Un maudit dog. Non, voilà. Je voulais faire bon chien, mais il s'en bat les couilles. Regarde à vous. Oh mon dieu, cette musique. Mon dieu, venez les droits d'auteur. Donc voilà, il y a le coyote qui est ici. Il y avait un truc à récupérer. Non, je l'avais pris, je sais plus. Take on me, évidemment. J'espère que vous avez reconnu. Sinon, sinon tant pis, c'est pas grave. c'est pas grave. La douche, la voilà. Et on va aller voir Pass. Et ce sera la fin de cette vidéo. Tac, petite douche. J'aime beaucoup la Mother Base au soleil, tout ça. Elle est très, très étendue maintenant. J'ai toutes les plateformes qu'il faut. Ouais, très étendue. J'ai 2 plateformes par hexagone ou je ne sais comment dire. Alors... Merde, je vous ai pas montré les dessins sur... je vais le montrer juste après. Il y a les mortiers, tout ça. Ah, la mine, cool. Il va falloir que je fasse gaffe quand la prochaine fois que je serai déployé. Ok. Donc là, c'est toujours pas... Voilà. Paz, paz, paz. Hello. J'ai une photo pour toi.
like this. Strange love? Maybe when she rubbed that sunscreen on me. Oh, I'm trying not to remember it. But you know, despite her quirks, Dr. Strangelove is a good person. I wish you'd come and say hello. My head. It hurts. Eh ouais, Strangelove. Et effectivement, Strangelove lui avait passé de la crème solaire, je crois. On l'a reçu dans une des cassettes de Peace Walker. Si vous avez écouté. Ah cool, c'est réussi. Warfare, signal, survival, evasion. Ou évasion. Alors je vais juste d'abord... Déploiement de combat, hein, on peut renvoyer. Maintenant défendre le camp de réfugiés, il faut encore un camion. Ça va, il n'a pas été détruit, c'est cool. On va renvoyer les rambées, hein, tant que je peux garder les autres. Ça me va. Et je voulais montrer un truc. Je vais appeler l'hélico en même temps. Tac. Alors les autres plateformes, c'est juste des plateformes un peu de stockage en général. Vous voyez les pancartes. Go to hell. Fric, va en enfer, monstre. Donc ça c'est contre Quiet. Parle ou meurt. Là c'est pas les personnes autorisées seulement, c'est les monstres autorisés seulement. Il y a des petites pancartes comme ça un peu partout. Celle-là, traître. C'est ça, oui c'est ça. Traitor killer. Traître et tueur. Enfin bref, on y va. On se casse. Avec D-Dog, même si la prochaine fois je pense pas qu'on sera avec lui. Et sur ce, mes chers amis, je vous donne rendez-vous la prochaine pour les prochaines missions. Hein. On doit aller tuer 5 ou 6 membres, je sais plus. Ça évolue, ça évolue. Merci à vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Salut.